Salut à tous et à tous, comment allez-vous? C'est Raftouille69, moi ça va super et j'espère que vous aussi. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le constater sur Roller Coaster Tycoon 3 sur le 12e épisode avec du renouveau, vous allez voir et je vais vous en parler. Nous avons déjà premièrement un nouveau défi qui a été proposé par Clément. Donc je tiens à te remercier Clément pour ton défi que tu m'as proposé qu'on va réaliser en espérant le réussir. Et deuxième petit renouveau, je vais vous montrer les finitions déjà de notre circuit à promenade, j'appelle ça circuit à promenade, et de notre et j'ai fait de la déco. Enfin bon, je vais vous parler de tout ça en détail durant l'enregistrement, durant l'épisode. Vous allez voir, c'est fort sympa et c'est fort joli. Donc pour commencer, voilà, j'ai fait ici, pour commencer un petit peu la déco, j'ai rajouté quelques manèges. Donc celui-ci, je pense que vous connaissez déjà. J'ai mis un grand 8. J'ai mis une maison fantôme. Avec ce bon sac, ça n'a pas trop de rapport, mais j'ai trouvé que ça pouvait être fort sympa à mettre. Donc je l'ai mis. Je me suis dit, pourquoi pas, mettons-le. Avec celui-ci, bah, chat du Chesnier, je pense que vous le savez tous, vous le connaissez, on l'a mis ensemble. Et j'ai mis une maison tower, comme ça. Comme ça, quand on arrive ici avec le wagon, on arrive là, hop. Et ça nous fait un petit virage ici. Ensuite, nous avons ça ici, une maison bizarre. Maison bizarre, là, du coup, le nom, comme il le dit. Là, l'araignée. Et nos chemins qui a été ajouté tout là, avec le chemin jaune, plus la terre, tout ça qui est fait en noir. Un manège monstrueux, proprement dit. J'ai rajouté des décos comme celle-ci, voilà, des moulins, des chemins. Et comme vous pouvez le constater, ce qui est super joli et qui est super bien, ce que j'aime beaucoup, j'ai rajouté ça. Je trouvais que ça faisait fort sympa avec le Casper Homme et tout ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, la déco n'est pas finie, loin de là. Et autre chose que j'ai terminé par contre pour ça, c'est vrai qu'il n'est pas immense. Mais ça fait assez sympa pour le moment, ça suffit amplement. C'est notre côté, notre petite partie zoo, vous voyez, voilà. Des chevaux, je crois que c'est des grizzlies, il me semble, et des singes, voilà. Avec des girafes, faut pas oublier les girafes qui sont ici, qui sont là, voilà. Oui, je me suis permis d'avancer un petit peu plus vite, durant hors vidéo, ce que je trouvais plus sympa. Voilà. Donc déjà, sans plus attendre, ce que nous allons faire, on va faire ici, dans cette partie-ci, l'attraction qu'on m'a proposée par Clément, qui est, alors, il me propose comme attraction de faire une attraction à intensité extrême et nausée moyenne. Donc je pense partir sur une espèce de grand 8, en espérant réussir ce défi, car pour moi, je ne l'ai jamais fait. J'en fais des grands 8, ça c'est vrai, mais je n'ai jamais fait attention à l'intensité, ni aux nausées, ni tout ça. Donc ça, là, ça me relève un grand défi pour moi, en espérant qu'on réussisse. Donc ce qu'on va faire, sans plus attendre, on va le commencer comme ça. Nous sommes en place pour le faire. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Donc celui-ci, je ne peux pas le prendre parce qu'il n'a pas de rapport. Je pourrais, mais pour moi, non, je ne le prendrai pas. Je voulais un truc à qui fasse la tête à l'envers, ce qui va être très difficile à faire, mais c'est faisable. Un classique cross-crow. Ouais, on va prendre ça. Vous savez quoi? On va prendre ça. Ça va être assez coriace. Bon, c'est vrai qu'il sera pas dans la partie. Comment dire okay, bah, j'aimerais bien que tu tournes, s'il te plaît. Dans la partie sensation forte, pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus la place pour le faire. Je suis désolé. Il ira plus dans la partie horreur, voilà. Je pense il aura bien trouvé sa place parce que. Ah non, même pas, non, je peux pas, non, du tout. On va le mettre ici, il sera, voilà, petit. Et je pense que le défi est relevable. Alors, on va le faire tout de suite, sans perdre de temps. Et on fera un peu plus de déco aussi, à pas oublier la déco. Voilà. Donc, une station. On va mettre 5 stations. 1, 2, 3, 4 et 5. Sans plus tarder, on va monter. Non, alors si on comme ça, on ne peut pas mettre cela. D'accord, donc ça nous fait une belle montée déjà par commencer. Voilà. Hop, hop, hop. Ouais. Voilà, déjà, on va s'arrêter là. Hop.
Ici, on va faire une descente à pic. À bien préciser que cette descente à pic, elle va être. Non, elle va certainement pas, parce qu'on ne pourra jamais. Quoique, si on met un virage comme ça, est-ce que je peux. Voilà. Ici. Une descente à pic. Et on va mettre. Non, ça ne va pas aller. Ouais, on peut mettre ça, non, et encore. Ce qui n'est pas gagné, parce que si je mets un plat, regardez, on passe sous la terre, donc je ne veux pas passer sous la terre. Voilà. Voilà. Et là, on va mettre une boucle. Il ira jamais, il fera jamais le tour de la boucle. Non. Alors, on va pas mettre ça, on va mettre un tire-bouche. Non, pas un bire-touchon. Un bire-touchon. C'est vite dit comme mot. Zigzag, qu'est-ce que c'est? Non, c'est trop près du sol. Oh là, j'ai le micro, il t'a plu tout à l'heure dans le. Non, je ne voulais pas ça, s'il te plaît, merci. Boucle en 8 comme moi. Non, on va pas aller comme ça. Si on essayait, directement comme ça, on saura tout de suite si ça va aller. Il passe la boucle en 8, écoutez. Ouais, tant mieux. Ce que j'aimerais. Allez, tu commences à partir, s'il te plaît. Merci. Alors, on va voir ce que ça donne. À mon avis, déjà, le départ, il devrait se faire déjà assez bien. Donc, ce qu'on pourrait déjà assez facilement le faire. Oui, mais comme ça, je n'ai pas démonté mon matériel. Je l'ai laissé le volant. J'ai laissé le volant. J'ai tout laissé parce que je n'avais pas envie de tout démonter. Je trouvais ça plus intéressant de pouvoir. Je trouvais ça plus intéressant de ne pas y enlever et puis de les laisser. Voilà. C'est plus joli. Donc, déjà, on monte. C'est déjà pas mal, clac, 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 avec les chaînes qui craquent. Moi, personnellement, pour ma part, quand je prends ces manèges-là et je vois que ça fait ce bruit-là, déjà, je commence à me dire, on est mal barré. Parce que quand tu entends le bruit de la chaîne et tu dis que ça va jamais se terminer, à mon avis, quand tu sais que tu montes, de toute façon, tu vas redescendre. Donc, la descente, on sait qu'elle va être. Ça dépend, mais des fois, elle peut être vraiment hard. La plupart du temps, elles sont hard. Donc, déjà. Donc, ça prend. Au trip, déjà, d'entrée de jeu. On descend sec. On prend la première boucle. On la passe. On passe par la deuxième, les amis. On passera par la deuxième. Ah là 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 là. Donc on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. On va la refaire. Voilà. Hop. On va supprimer cette partie-là qui n'est pas bonne du tout. Aïe 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 aïe. On va y arriver. Quoi qu'il en soit, on va se donner la peine de réussir. Petit virage sur rêvé. Qu'est-ce qui me donne ce virage? C'est vrai que la descente est assez hard et faut reconnaître que c'est pas. Ouais. Et qu'est-ce qui me donne si je le fais ça comme ça? Non, je ne veux pas. Ah, quoi que, regardez les amis. Si, si, ça pourra le refaire. Le refaire, du moins, excusez-moi. On va encore en faire un et on passe pas. Non, non. Non. Oh, on va retirer celui-là, on va mettre un tire-bouchon là. Voilà. Hop. Non, non, pas de boucle en 8 parce qu'on n'a pas la vitesse pour faire un boucle en 8. Voilà. Non, 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 non. Grande demi-boucle, non, non. Tire-bouchon. Voilà. C'est ce qu'on voulait. Ouais, oh ouais, ça va être hard quand même, hein. Parce qu'en sachant que ici il va falloir faire des lignes droites, donc ça va pas être du tout repos. Non, voilà, ici un virage, une côte, non, on va faire continuer le virage, non. Non, on a possible de placer cet objet ici, ok. Non. Non, 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 on va retirer celui-là. Ici, on va mettre ici la côte. Hop, monte. Plat. Oui, s'il peut prendre juste cette petite place ici pour pouvoir faire notre manège à intensité comme m'a proposé Clément. Ouais, on va essayer. Ce qui serait pas mal. Je sais pas par contre si on va pouvoir faire grand-chose ici.
Parce que si je mets une descente à pic, j'ai peur qu'elle me creuse dans le sol. C'est ce que je ne voulais pas. Voilà, un petit plat. Ça va pas être facile du tout. Je suis pas pessimiste pour dessous, mais ça va être dur, dur. Voilà. Est-ce qu'il passe la première? Est-ce qu'il passe ça? Oh, facile! Regardez donc. Ouh, ça va être du costaud. Non. Il peut prendre celle-ci, donc c'est déjà ça. Mais ça, c'est Jean Manège qui, quand même, qui rend complètement fou. Je sais pas vous, mais moi, oui, ça me rend dingue ces manèges-là. Non, non. Là. Ces manèges qui fout les boules. Quand vous avez fini, vous descendez, vous en pouvez plus parce que vous avez qu'une hâte, c'est que ça se termine. Et que ça ne se termine pas comme vous le souhaitez. Ouais, pourquoi pas. Et là, on va faire un birre-touchon. Allez, viens. Non! Je mets trop de tire-bouchons, par contre, je trouve. C'est pas grave, on va finir comme ça. Alors, déjà, voir s'il le passe. J'espère que ce sera pas trop intense et que le défi sera relevé. Parce que je vais faire une partie. Alors, j'espère l'avoir réussi. Oh, il passe. Super bien, même. Ah oui, les amis, regardez donc, je suis content de moi. J'ai réussi une bonne action. non. Parce que si je fais ça, ouais, zigzag, avec un virage en S. Non. Un pire touchon, non. Pas de tire-bouchon cette fois-ci. Super large, ouais, super élevé. Ça, il va falloir qu'on exploite la place au maximum qu'on a ici parce que. Donc là, c'est vrai que bon, on va rajouter de la décon, hein, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais avoir peut-être un petit souci. Non, mais pourquoi il met celui-là que je ne veux pas? C'est dingue quand même qu'il ne comprenne pas ce que je lui demande. Alors là, on va le faire en automatique. Parce que ça serait plutôt sympa qu'on puisse le faire en automatique. J'ai pas d'idée. On va le faire comme ça. Et là, on va mettre les entrées, donc déjà les sorties. Hop, hop. Et on va l'essayer tout de suite, les amis. Maintenant qu'il est fini. Alors j'espère qu'on va réussir. Donc on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On sait déjà qu'on a une descente assez bien costaud et bien à pic pour pouvoir faire la descente et faire notre bien nos beaux virages, bien coriaces. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va pas réussir ce défi. Je vais pas, comme je dis, négatif, mais je sens qu'il va être pas réussi. Bon. Donc Clément, tu m'excuseras si ce défi est raté. Mais n'hésite pas quand même à me proposer des défis. N'hésitez pas surtout aussi vous aussi à m'en proposer que je réaliserai au fil du temps, selon qu'on a au fil du temps du parc. Voilà, comme construction du parc. Voilà. Donc première descente. J'aime bien coriace. Avec un premier virage bien passé, le deuxième la tête à l'envers, encore une tête à l'envers. Oh là 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 là, j'y sens pas bon. Oh là. Ah, deuxième, troisième tête à l'envers. Heureusement, j'ai pas mangé juste avant parce que même en jeu, je pense que j'aurais déjà là, ça serait. Voilà. Ouh. Je vous jure, en vrai, un manège comme ça, je pense que vous réfléchissez deux fois avant de le faire. Et là, je pense que ça se ralentit, ça se calme un petit peu. Et ben, il est fini, les amis. On l'a réussi. Donc, on nous avait dit intensité extrême et nausée moyenne. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne maintenant? Les résultats, les amis. Les résultats, qu'est-ce que c'est? Pas encore évalué. Pas encore évalué. Ok, d'accord. J'ai compris pourquoi. On va mettre les files d'attente. Ça aussi, peut-être que ça peut jouer les files d'attente sur notre parc. Si on n'y met pas, c'est sûr que les personnes ne viendront pas. On n'aura pas encore l'évaluation du parc. Ouais. Là, je vais essayer de passer par là. Si je peux, bien sûr, passer par ici. Hop, hop, hop. Pas une file d'attente trop trop longue non plus, parce que je pense qu'ils vont être vite lassés de la sortie, de l'attente. Ça n'ira pas.
J'ai la sortie qui est très très mal placée, malheureusement. On va essayer de rattraper cette erreur autrement. Est-ce qu'on peut la rechoper par là? Oui, on peut, donc c'est parfait. Ouais. Voilà. Comme ça fera une sortie, une entrée. On va mettre le chemin. Hop. Hop, on va faire le chemin en merde. C'est vite dit le mot. En merde. Hop. C'est juste histoire d'air de que nos manèges nous soient évalués pour. Voilà. Hop et hop. Voilà. Ça, c'est fait. Pour ce côté-là, on est bon. Le manège va ouvrir tout doucement. Oui, et ouf. Ah, on a réussi, les amis, on a réussi. On est à la excitation super extrême, intensité élevée. Tu m'avais dit extrême ou élevée, je ne sais pas, enfin, je regarde. Et nous sommes en usée moyenne. Donc, en tout cas, pour moi, le défi est relevé et même réussi. Voilà. Hein, il n'y a pas à dire. J'ai réussi mon pari. Je pense à 90%. N'hésitez pas à me dire si c'est bon ou pas. Mais moi, en tout cas, pour moi, c'est fait. Voilà. Donc. Tant mieux et on dit Alléluia. Voilà. Tais-toi, papa. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Excusez-moi, les amis, j'avais des fonds de bruit derrière qui je n'aimais pas trop. Voilà. Bon, pour ce manège, c'est tout OK. Maintenant, on va faire notre côté. On va faire la déco. La déco, la déco. La déco, déco. On va mettre par contre que des arbres spéciaux. Voilà, des bouleaux qui fait peur. On va en mettre un peu de partout en merde. On s'en. Parce que c'est un manège qui fait peur. Ah, ça par contre, vous voyez ça, on va y en mettre au bord du chemin comme ça, mais je ne peux pas en mettre ici parce que je n'ai pas envie de les mettre là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin qui vient? Le truc à chauve-souris. Ok. Le truc qui ne sert à rien, bon. Ça ne sert à strictement à rien du tout. Buisson effrayant. Ouais. Pourquoi pas? Ça va décorer un petit peu ce côté-là. C'est vrai, mon niveau déco, je suis pas très 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 fort. Loin de là. Je vais essayer de réussir à peu près cette déco le plus propre possible, le plus juste. Grand orme. Ouais. Ici. Voilà. Voilà. Ici. Des ormes. Aussi. Parce qu'en sachant que dans le monde de l'horreur, il n'y a pas énormément de déco, mais on va en ajouter, hein, faut pas vous inquiéter. Et vous savez, on va même faire un truc encore plus classe. Et je pense que vous allez même adorer. Bon, on va par contre arrêter le temps parce que c'est chiant. Hop, hop, hop. On va passer en mode jour. Et je ne sais plus par contre comment on fait pour avoir ça. Les fumées, j'avais passé un temps de défumer, ce qui me permettait d'avoir en fait un truc un peu spécial. C'est pas là-dedans, c'est là peut-être dedans. Ça dépend, tout ça, on y viendra. Peut-être pas dans cet épisode, mais dans un autre. Parce que je pense que cet épisode-là va nous prendre beaucoup, beaucoup de temps. Je crois que c'est là. Va nous prendre beaucoup de temps cette partie-là, voire plusieurs épisodes. Donc ça va être. Enfin, sympa, mais j'étais sûr que c'était dedans. Eh ben non, ce n'est pas dedans, dedans. Non, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne m'arrange pas du tout. C'est pas selon ce que je recherche. Qu'est-ce que c'est? Non. Ah, peut-être dans les artifices. Non, ce n'est pas les artifices. Je suis un peu perdu là, par contre. Je suis un peu perdu parce que c'était pas ce que je voulais. Ouais, d'accord. C'est de la brume, voilà le mot que je recherchais, la brume. La brume, je ne sais plus où est-ce qu'elle se trouve. Parce que je sais que je voulais mettre de la brume ici pour faire bien le côté
bien bruyant et tout ça, mais je sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Je crois que c'est Safari qui le fait. Je ne suis pas sûr à 100%. On va tout activer et on va regarder directement ici dans ces machins-là. Ça, c'est la déco. Ah, regardez donc, déjà on a déjà un bon début. Qu'est-ce qu'on nous avons? Catwalk et tout ça, non, on n'a pas l'utilité, non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si c'est là-dedans ou pas. On va voir ça parce que c'est bizarre quand même que je ne les ai pas ici. Peut-être pas ici. Si je retourne voir ici. Bah non, de toute façon, on en vient et là, il n'y a aucune catégorie générale pour ça. Non. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas. C'est quoi ça, Rochette? On s'en fout un petit peu. Nous, c'est pas notre intérêt. Peut-être là-dedans, les amis. Peut-être là-dedans. Alors, on va descendre. Et on va voir si on a ce qu'il nous faut. Ça, déjà, les fantômes, tout ça, ça va nous servir pour l'écho. On en mettra. Parce que ça va faire partie de tout ça. City Hall, des sapins, des pirates, tout ça, c'est fait. Je sais pas ce qui est passé en bas, mais ça fait du bruit, hein. Voilà, c'est pas là. Je suis sûr que c'est là-dedans, hein. Je suis persuadé, hein. J'ai une certitude maintenant que c'est que ça me revient, que je crois bien que c'est là. Si vous le voyez, dites-le-moi. Stop! Mais ça va être dur, hein. Alors. Bah alors, t'es au fumé. Je suis sûr que c'est cela. Ça, c'est. Je peux pas me tromper maintenant. Ça me revient. Plus je descends et plus je remarque des choses qui me disaient que c'était là. Ça, c'est les lumières. On a les lumières. Donc, déjà, on a à peu près déjà ce qu'il nous faut. Ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Ni ça, ni ceci, ni cela. Mario. Non. Eh ben on va descendre un petit moment, je crois, les amis. Alors, non. Je vais faire à la souris parce qu'on ira peut-être plus vite. Ah, voilà. Vous voyez que j'en avais particules de fumée. Vous allez voir, ça va être super classe. Ah, je suis content, je les ai retrouvés. Voilà, particules de fumée. On va mettre un peu de partout parce que ça fait partie de la déco. Une côté horreur. Vous pouvez me dire le mieux, vous pouvez. Papa, tais-toi. D'accord. Voilà. Ici, on les pose en n'importe comment, hein. Il n'y a pas d'importance. C'est juste pour le côté horreur. Ce qui va nous servir pour. Vous allez voir, ça va faire super réaliste, super beau. Et on en rajoutera encore, faut pas vous inquiéter. Si ça vous aimez, vous dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez qu'on en rajoute un peu de partout, ce qui sera super bien. Super bien. Ouais, n'importe quoi. Il faut que j'arrête moi. Voilà. Hop, on va en ajouter là, là. Est-ce que vous voulez qu'on les active? Est-ce que ça vous dirait? J'ai bien envie de les activer. Alors on va essayer. Hein. On va passer en mode nuit et en mode activation des particules de fumée. Regardez donc comment c'est magnifique. Magnifique. C'était un grand mot que je viens de dire là. J'aurais peut-être pas dû mettre cela. J'ai mis des grosses particules et ça fait dégueulasse. Et non, ça ne va pas. J'aurais dû rajouter des petites particules de brume. Voilà, regardez ce que c'est. C'est ça. Voilà. Regardez.
On s'est un peu trompé. Voilà, regardez, ça fait trop haut. Ça correspond pas du tout à ce que je veux faire. Ah mince, maintenant il va falloir toutes les retirer une par une. Et pourquoi je retire l'arbre? Bon, on va mettre les particules là, ici. Tant pis pour nous. Bah mince. C'était pas prévu au programme que je rajoute ça ici. Je suis désolé. Dans le micro, je tape. Déjà, regardez comment ça donne. Ça fait sympa. Mais là, celle-ci, ça fait trop, j'ai l'impression. Enfin, que je le retire une par une. Parce que ça va être trop gros. Mais non, mais il ne veut pas se retirer. Voilà. Un peu moins gros. Voilà. Hop. Je sens que je vais m'avoir pour les retirer, celle-là. Bon, en tout cas, les amis, ce qu'on va faire, de ce côté-là, on l'a fini, notre manège. Ça, c'est déjà fait. Ah, mais je retire les arbres plus au passage. Voilà, déjà. Bon, ce que je vais faire, les amis, moi, je vais enlever tout ça hors vidéo, directement, pour pouvoir finir ça tranquillement. Voilà. En tout cas, on va arrêter ça. On va arrêter ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce qu'on voulait qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans ce parc, qu'est-ce qu'on peut mettre, et tout ça. Voilà. Hein. Et vos défis en supplément, ce qui serait super sympa aussi, qui m'amusera aussi beaucoup, et pour vous aussi. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois de plus pour tout. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, comme d'habitude, vos j'aime, et à vous abonner à ma chaîne. Vous pourrez aussi me retrouver sur Facebook, Twitter et Google+. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tout ça. En tout cas, je vous remercie une fois de plus pour tout. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!